Au-dessus de la route du littoral, entre la Possession et Saint-Denis, le chemin des Anglais vous ouvre la voie. Ce sentier historique de 9 km est de difficulté moyenne. Prévoir de bonnes chaussures, une réserve d'eau, une protection contre le soleil, et c'est parti. Nous voilà dans les pas des finishers du Grand Raid. Nous commençons ce chemin Crémont par la Possession. Ici, pas d'échauffement, les pierres taillées grimpent directement vers le point de vue sur l'ouest de l'île. Les dalles ordonnées ou encore les grands tamarins nous impressionnent. Preuve d'une riche histoire commencée en 1730, mais déjà c'est le temps des premières dégustations. Lorsque vous arrivez sur les plateaux, c'est le soleil qui vous accueille. Mais aussi le magnifique point de vue sur cette piscine océanique, ça donne envie de plonger. Vous traverserez ensuite deux ravines, dont la ravine à malheur, des lieux riches en espèces endémiques telles que le bois de nef ou encore le bois rouge. Well, we know I'm going away. Et voilà la raison de se faire accompagner par la famille. La grande chaloupe et son ancienne voie ferrée, son petit train et son lazaret. Le lazaret est un espace classé monument historique rénové sous l'impulsion du département en 2004. L'infirmerie, le cimetière ou encore une exposition permanente donneront un cachet à cette rando de famille. Là nasceu, põe une estrela, qui cata brilha. Et après la pause, Saint-Bernard nous attend. Pendant cette dernière ascension, observez le travail de titan pour paver cet axe entre l'ouest et le nord qui fut à l'initiative du gouverneur Crémont. Vous vous demandez alors pourquoi chemin des Anglais? Car cet accès a été utilisé en 1810 par les Anglais pour reprendre l'île aux Français. Avec ces connaissances, vous pourrez finir votre promenade sur Saint-Bernard plus intelligent. Moi, j'aime l'aspect paysager de ce sentier. Il y a des points de vue formidables sur la Possession, sur le pont, sur la Grande Chaloupe, sur la route du littoral. Le sentier, il a été créé en 1760 par des esclaves qui ont laissé là-dessus leur sueur, leur force. Il n'y a pas de nom d'esclaves, il y a le nom de Crémont, mais c'est un sentier, je rends hommage moi, aux esclaves qui ont travaillé là-dessus. Alors au niveau botanique, on retrouve quelques vestiges de plantes endémiques, telles que le bois de nef, telles que le bois rouge, le bois de gui, le bois de golette. Ben, c'est un sentier qui est couplé maintenant avec la route du littoral, mis à part qu'à un moment donné, on cohabite avec les voitures. Mais à part ça, c'est un sentier génial, c'est un sentier agréable, c'est un sentier qu'on ne se lasse pas de faire. C'est ouvert à tout le monde, à chacun son rythme. Le Grand Raid va passer par là cette année, mais ce n'est pas un sentier grand raideur, c'est un sentier tout marcheur. C'est vrai qu'on a la Réunion, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des dénivelés positifs, des dénivelés négatifs, mais chacun son allure peut partir de la Possession à la Grande Chaloupe, de la Grande Chaloupe à la Possession, de la Grande Chaloupe à Saint-Bernard, de Saint-Bernard à la Grande Chaloupe. Il y a plusieurs possibilité de randonner sur ce sentier agréable.